Les centres sociaux, ça ne date pas d'hier. Il y a 90 ans, on s'organisait comme ça ou comme ça. C'était déjà une bonne idée. Depuis, la société a beaucoup évolué, mais nos valeurs, dignité, démocratie et solidarité sont plus que jamais d'actualité. Bien. Rappelons donc comment ça se passe dans un centre social. Des gens viennent souvent pour des services ou des activités. Au passage, ils en profitent pour raconter qu'ils sont préoccupés par la discrimination ou la précarité. Là, des problèmes de logement ou même d'environnement. Ici, des personnes âgées isolées. Ou encore là, des transports en commun qui ne fonctionnent pas bien. Autant de situations à la ville, autant de cas différents à la campagne. À portée de main et des yeux, cela touche tous les milieux. Oui, il y a de quoi s'indigner. À tous ces cas concrets, le centre social offre une oreille attentive. Un endroit où habitants, bénévoles et salariés peuvent s'exprimer, débattre et échanger. Mais comment rendre la vie plus facile dans le quartier ? Des personnes âgées pourraient garder les enfants pendant que les parents sont absents. En échange, on les accompagnerait chez le médecin, on leur donnerait un petit coup de main. Ramasser tous ensemble les fruits de ce verger, faire des confitures et tout redistribuer, ça éviterait de gaspiller. Et si on réparait les vélos usagés plutôt que de les jeter ? On pourrait les louer et permettre à tous de bien mieux circuler. Et contre ce bailleur peu scrupuleux, le mieux serait d'être très nombreux. Mobiliser les locataires et leurs voisins pour faire entendre leur voix et faire valoir leurs droits. Et s'il le faut vraiment, le centre social fera l'intermédiaire avec des experts ou même avec monsieur le maire. Alors, comme on le disait, la société a bien changé. Elle s'est complexifiée, apparaissent de nouvelles difficultés, ici, là. Comment évoluer pour être plus efficace, pour être plus utile ? Ce n'est pas tous les jours facile. Comment défendre ensemble un quotidien solidaire et encore plus citoyen ? Imaginons des interventions pas spectaculaires, mais indispensables, pas forcément mondiales, et surtout très locales. Faisons du centre social un lieu où on imagine plus que des services et des activités, où on peut mettre en place des solutions avec parfois des partenaires et des associations. En deux mots, renforçons le pouvoir d'agir des habitants, soyons acteurs sur notre territoire, ici, là et encore là, partout où nous pouvons. Pensons le centre social Nouvelle Génération comme un véritable moyen d'action. Alors, action ! Tous les centres sociaux de France sont tous agréés. Il dépose un projet social qu'on appelle dans le jargon, nous, le PAG, le projet d'animation globale. Donc, il dépose un projet qui va être pluriannuel jusqu'à 4 ans. Et ce projet va faire l'objet d'une étude par un comité de financeurs, dont les CAF. Voilà, c'est notre cas aussi à nous dans un centre social en gestion CAF. Donc, le comité des financeurs va lire ce document, va discuter avec les équipes pour voir si le projet social de l'équipement correspond aux attendus réglementaires. Et si c'est OK, le centre social va être labellisé, il va s'appeler centre social. En fait, vous avez l'association, une association qui s'appelle Les Petites Pâquerettes, elle peut être tout à fait être labellisée centre social. On n'a pas tous écrit sur notre porte « centre social » et pourtant, si on l'écrit, ça veut dire qu'on a ce label qui, lui, est protégé. Donc, ce label, il nous est donné pour plusieurs années et il vient valider la cohérence d'un projet et puis la façon dont on va le conduire, c'est-à-dire le fait qu'il y ait des professionnels, qu'il y ait suffisamment de moyens et que ce projet soit bien en accord avec les besoins repérés du territoire et des habitants sur lesquels on intervient. Voilà. Donc ça, c'est déjà un premier fait. Ça vous montre que, du coup, les centres sociaux sont très différents et qu'ils peuvent être aussi des endroits où on expérimente des choses. Quand je parle des besoins des habitants,
Voilà, si on repère dans un quartier donné une véritable problématique de logement, par exemple, avec plein de familles qui viennent, qui vivent des situations d'habitat insalubre, eh bien oui, on va peut-être développer une action particulière, je ne sais pas moi, de rénovation de l'habitat. Alors que dans un centre social où la problématique, elle est peut-être au niveau de la garde des enfants, on va plutôt développer une crèche, un centre de loisirs, etc. Ça dépend du coup véritablement du besoin des habitants exprimés et d'un diagnostic qu'on va faire au moment de notre projet social. Donc, la deuxième question qu'on peut se poser, c'est qui est-ce qui travaille dans un centre social? Il y a plein de professionnels. Souvent, on pense centre social, centre de loisirs. Beaucoup d'entre eux sont équipés d'un centre de loisirs. Et du coup, souvent, on peut avoir l'idée que ce sont des animateurs qui travaillent dans les centres sociaux. Alors, il y en a, mais il n'y a pas que ces métiers-là. Et du coup, dans un deuxième temps, je voudrais vous présenter un petit peu les types de boulot qu'on trouve dans les centres sociaux. Et on va démarrer par une petite vidéo qui vous présente les métiers de l'animation. Comme ça, déjà, on saura de quoi on parle. Salut à tous, je suis Zoé. Si tu as cliqué sur ce lien, c'est que tu as probablement vu la vidéo sur le secteur de l'animation et que tu veux en savoir plus sur les formations pour devenir animateur. Je vais donc te laisser avec Pierre qui va te présenter tout ça. Alors, c'est bon? Eh bien, salut à tous, donc je suis le troisième humain et je vais essayer de vous expliquer en quelques minutes justement les diplômes. Alors, on va démarrer donc par le BAFA. Pour le BAFA, donc, il faut impérativement avoir 17 ans révolus le premier jour de la première session de formation qui est la formation générale. Mais pour faire court, il y a trois parties. Formation générale qui dure, elle, 8 jours. Elle se fait en général en demi-pension. Et donc, du coup, ben, tu vas apprendre plein de belles choses. La réglementation, comment travailler un projet pédagogique ou encore apprendre plein de jolies chansons et des jolis jeux de plein air. Ensuite, tu as le stage pratique qui, lui, dure 10 jours. C'est directement dans une association. Tu vas sur le terrain, tu observes, tu apprends à accompagner les enfants, à regarder un tout petit peu quel est leur rythme et éventuellement aussi à leur proposer des activités. Et enfin, pour aller un peu plus loin, il faut des 3 sessions validées, bien sûr. Tu vas dans de l'approfondissement où là, tu pourras te perfectionner ou autour du cirque, par exemple, ou sur la question des enfants en besoin particulier ou voire même, pourquoi pas, dans les arts plastiques. Qu'un BAFA, ça coûte entre 800 et 1000 euros et qu'il y a plein d'aides aujourd'hui pour que tu puisses le passer en toute sérénité si tu n'as pas la thune. Clac. On enchaîne avec le BAFD, le brevet d'aptitude aux fonctions de directeur d'accueil collectif de mineurs. Je sais, c'est long, mais c'est comme ça. Alors là, par contre, c'est un level au-dessus. Et là, ça te permet vraiment d'être un petit peu le directeur ou le directeur adjoint de la structure. Celui-là, aujourd'hui, il a changé depuis le mois d'avril 2020. D'ailleurs, tu peux l'obtenir dès tes 18 ans. Et ça, c'est pas mal du tout. C'est une belle avancée. Très simplement, il y a d'abord le stage de base où tu vas justement apprendre à gérer un budget, à éventuellement manager une équipe et surtout appliquer la réglementation ACM. Ensuite, tu as le stage sur le terrain, sur les fonctions de direction et tu as du coup un rapport à rendre à la fin de cette session qui se terminera par une soutenance. Ensuite, on va rentrer justement dans les diplômes professionnels. Du coup, je démarre avec le premier niveau, le certificat professionnel de la jeunesse de l'éducation populaire du sport, ce qui s'appelle le CPJEPS. Alors, ce certificat professionnel, eh bien, il va te permettre justement de pouvoir démarrer dans l'animation professionnelle. C'est un diplôme de niveau 3. Il atteste donc l'acquisition d'une qualification dans l'exercice d'une activité professionnelle en responsabilité, à finalité éducative ou sociale. Tu vas pouvoir bosser du coup comme animateur enfance jeunesse ou animateur accueil de loisirs ou animateur par exemple accueil de loisirs périscolaire. Voilà, le CPJEPS, c'est aussi un long projet. Il existe donc plein de financements possibles pour l'emploi, ta région ou ton employeur dans le cadre d'un contrat spécifique. Ensuite, il y a le BPJEPS. Lui, c'est un niveau bac, il y a une nouvelle formule depuis 2016. C'est un brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et d'e-sport, voilà, qui est un diplôme de niveau 4. Il comprend donc du coup 2 spécialités maintenant, animateur, mention, animation sociale, c'est-à-dire loisirs tout public, etc. Ou bien éducateur sportif, mention sport collectif, type handball, football, boxe, etc. Ce diplôme se prépare en alternance, soit par la formation initiale. Dans ce cas, sa durée minimale, elle est de 900 heures. Donc n'oublie pas, c'est vraiment un investissement et c'est un énorme projet. Et donc 600 heures en centre de formation à peu près.
Donc ça, c'était les diplômes de début de carrière. Et ensuite, si tu veux devenir un vrai Jedi de l'animation, il y a donc du coup des diplômes de niveau Bac plus 2, qui est par exemple le DGEPS, le DUT, ou voire même le DUST, s'il n'est pas déjà mort, bien sûr. Pour ces diplômes-là, si tu veux plus de renseignements, regarde à la barre d'infos. Alors j'espère que tu as à peu près capté le parcours et les possibilités de formation. Et si c'est pas le cas, bah appelle le CRIJ. Alors le CRIJ, c'est nous. Et on fera un topo rien que pour toi. Abonne-toi, partage. Et si t'as pas vu la vidéo de l'animation, clique ici. Voilà, donc dommage pour ceux qui n'avaient pas l'image, c'est plutôt une vidéo rigolote là aussi qui vous présente les types de formations dans l'animation. Donc ils vous ont parlé de formations de type BAFA, BAFD et puis d'autres diplômes CPGEPS, BPGEPS, DGEPS et au-delà. Vous l'avez peut-être compris, mais je le redis, il y a des formations de type, des formations véritablement professionnelles. Le CPGEPS, c'est la première. Le BPGEPS, puis le DGEPS et toutes celles qui viennent après. Ça, c'est vraiment des formations qualifiantes, reconnues sur des titres de formation. Et puis, de l'autre côté, vous avez le BAFA et le BAFD, qui sont plutôt des formations rapides. Mais qui sont des formations en fait issues de l'animation au sens de l'engagement. Alors on peut commencer à travailler avec un BAFA et un BAFD, on peut même rester faire une carrière en n'ayant que ces diplômes-là. Il y a des gens recrutés parce qu'ils ont ces diplômes-là, ils sont le minimum indispensable pour pouvoir intervenir par exemple en centre de loisirs. Mais ensuite quand on souhaite vraiment devenir un professionnel de ces métiers-là et en faire sa vie professionnelle, il est intéressant d'aller se tourner vers des diplômes plus complets. Il y a une petite nuance à apporter dans la vidéo. On vous dit que le BAFA est accessible à 17 ans. Il y a eu une réforme qui est passée très récemment. Maintenant, c'est accessible à 16 ans. Donc, n'hésitez pas. Le BAFA, c'est vraiment un super premier diplôme pour commencer à travailler. Et puis, même dans la vie professionnelle, même si vous ne vous orientez pas vers ces métiers-là, vous verrez que ça peut faire la différence au moment d'un recrutement. Parce qu'avoir un BAFA, ça veut dire s'être intéressé à des choses, avoir déjà géré des groupes, avoir vécu des choses assez intéressantes en colonie de vacances ou d'autres fois, travailler en équipe, etc. Donc, une expérience BAFA, c'est toujours utile, même vraiment au-delà dans votre vie professionnelle. Pensez-y, c'est peut-être le moment pour vous de vous intéresser à cette question si ce n'est pas fait. Donc, une fois qu'on a vu ces premières formations, j'ai un autre petit quiz à vous proposer, une animation klaxoon. Quelles sont pour vous les fonctions qu'on peut trouver dans un centre social? Voilà, qu'est-ce qu'on trouve comme type de fonction, hein? Pas forcément de métier, mais de fonction. Qu'est-ce qu'on y fait? Donnez toutes vos idées. Tout ce qui vous passe par la tête. Hein. Qu'est-ce qu'on fait dans un centre social? Qui c'est qui y travaille? Quelle est sa fonction? Voilà. Bien. Bien, bien, bien. Direction, animation de territoire, animation famille, accueil administratif et accompagnement social. Mais vous avez tous fait des stages dans les centres sociaux, c'est pas possible, vous êtes super forts là. Vous avez presque tout tapé, hein. On y est bien là. Donc évidemment, c'est un équipement qui regroupe beaucoup de personnes et il y a toujours un directeur. Parfois, il y a un directeur adjoint, c'est le cas chez nous, mais ce n'est pas une obligation. De l'animation de territoire, vous l'avez compris dans mon topo introductif, mais vous l'avez du coup bien retenu, c'est vraiment un élément important puisque c'est le fondement du projet social du centre social. L'animation famille, c'est tout à fait vrai et le terme est bien juste. On y ajoute un S à famille habituellement parce que justement c'est la famille au sens très large. Donc on est tous, si on n'est pas nous-mêmes parents, on est tous les enfants de quelqu'un. Donc la famille, ça concerne tout le monde de 0 à 99 ans. La notion d'accueil, qui est très importante dans les centres sociaux, c'est même, il y a deux grands axes dans les centres sociaux qui sont obligatoires quand vous présentez un agrément, c'est l'animation famille et la notion d'accueil. Ça, c'est des parties indispensables qui doivent être travaillées, puisque, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la maison pour tous, c'est l'endroit où tous peuvent venir, donc on travaille beaucoup cette question-là. Accueillir physiquement, mais aussi faire de l'accueil même en hors les murs, c'est-à-dire aller voir ceux qui ne viennent pas, en déplaçant des actions pour qu'ils apprennent à nous connaître. Il y a des fonctions inhérentes à l'administratif, puisqu'il y a beaucoup de gens qui s'inscrivent pour des activités. Donc, bien sûr, l'accueil, l'administratif, c'est souvent assuré par des personnels
particulier. Et puis l'accompagnement social, alors ça au sens large, qui est plutôt dévolu au secteur famille, mais qui peut être un accompagnement particulier, je l'évoquais tout à l'heure, dans un centre social sur un territoire où il y aurait vraiment de graves problématiques de logement, il peut y avoir un vrai accompagnement social au sens propre du terme. Il y a souvent aussi toute la partie enfance-jeunesse. Je l'évoquais en parlant des centres de loisirs tout à l'heure. Vous allez avoir un secteur enfance-jeunesse bien souvent, et puis parfois aussi un secteur petite enfance avec une crèche, avec un relais petite enfance, avec d'autres équipements. Donc, dans le centre social dans lequel je travaille, c'est le cas. On peut aussi avoir quelques particularités. Par exemple, moi, je travaille dans un équipement qui a aussi un gros secteur ateliers sociolinguistiques, donc ce sont des cours de français qui regroupent 3 salariés, une quinzaine de bénévoles, puisqu'on est dans un territoire qui accueille beaucoup de migrants, de gens qui arrivent en tant que demandeurs d'asile sur le territoire stéphanois. Et du coup, nous, depuis quasiment la création du centre social, on a par exemple cette proposition-là qui est indispensable et utile sur la vie dans ce quartier-là. Donc, par un autre centre social ailleurs, dans un territoire où il n'y aurait pas autant de migrants qui arrivent sur un hébergement, n'aurait peut-être pas développé cette proposition. Donc, on va trouver toutes ces fonctions. Vous avez tout à fait eu juste, pas de problème. Bravo. Pour assurer ces fonctions, on a vu tout à l'heure les métiers, les métiers de l'animation. Ce sont des métiers qui sont plutôt orientés sur les secteurs famille, mais surtout enfance-jeunesse. Et puis, il y a d'autres types de formations qui vous conduisent à travailler dans un centre social. Et ce sont les métiers du travail social. Et je souhaitais quand même vous les présenter rapidement, donc avec une petite vidéo aussi. Elle est un peu plus longue. Vous pourrez retourner la voir ensuite, parce que Paulina remettra le lien dans le fil de discussion, parce qu'on va voir que le début. Il y a plein de métiers dans le travail social. Au début, on s'intéresse plutôt à celles qu'on peut retrouver traditionnellement dans un centre social. Donc, Paulina, je te laisse la lancer. Dans cette vidéo, nous allons faire le point sur les métiers du secteur social. Très vaste secteur qui, pour certains métiers, a l'avantage de beaucoup recruter. On peut déterminer plusieurs grandes familles de métiers. L'aide à domicile, l'aide sociale, l'éducation, l'animation et l'encadrement. Beaucoup de métiers du secteur social ont l'avantage de recruter sans le bac. On peut citer par exemple les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, les aides médico-psychologiques, les auxiliaires de vie sociale, les moniteurs éducateurs, les assistantes maternelles, etc. Mais revenons plus en détail sur 4 métiers exercés par ceux que l'on appelle les travailleurs sociaux. On y accède par des formations diplômantes de 3 ans, après un bac général ou technologique, ST2S ou STMG par exemple. L'éducateur spécialisé partage le quotidien des personnes présentant des problèmes d'adaptation à la vie sociale. On entre dans la formation sur concours dans une des écoles qui délivre le DEES. On peut aussi y accéder via le DUT Carrière sociale option éducation spécialisée suivi d'une année de spécialisation. L'assistant de service social, plus communément appelé assistant social, conseille et oriente un public en difficulté dans les démarches relatives à leurs droits. Le métier se prépare soit via un DUT carrière sociale option assistance sociale plus une année de préparation au DEASS, soit directement en école via un concours d'entrée. L'éducateur de jeunes enfants, comme son nom l'indique, est un spécialiste des enfants jusqu'à 6 ans. Il met en œuvre pour eux un projet éducatif. On entre sur concours dans la formation qui délivre le DEEJE à l'issue de 3 ans d'études. Le conseiller en économie sociale et familiale conseille les personnes en difficulté sur tous les sujets liés à la vie quotidienne. Ce diplôme se prépare après un BTS économie sociale et familiale ou après un DUT carrière sociale suivi d'une année complémentaire. On peut aussi y accéder avec l'un des 3 diplômes vus précédemment. D'autres métiers, et notamment les postes de cadre, demandent un niveau un peu plus élevé d'études. Parmi ces métiers, on peut citer les cadres sociaux, qui peuvent être chef de service ou directeur de maison de retraite, de crèche ou de tout autre établissement social ou médico-social. 3 diplômes permettent d'accéder à ces fonctions d'encadrement. Le certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale de niveau Bac plus 3, le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale de niveau Bac plus 5, le diplôme d'état d'ingénierie sociale de niveau Bac plus 5 également. Tu l'as compris, les métiers du social sont faits pour ceux qui aiment le contact humain en rendant service aux gens, en les aidant,
en les conseillant ou tout simplement en évoluant à leur côté, et ce, à tous les âges de la vie. La liste des diplômes et des métiers vus dans cette vidéo n'est pas exhaustive. Il en existe bien d'autres. Donc si ce domaine t'intéresse, n'hésite pas à faire des recherches plus poussées pour trouver le métier de tes rêves. Je vous invite à aller voir parce qu'elle est vraiment bien faite, cette vidéo. Mais du coup, vous voyez toute la variété des diplômes qui peuvent conduire à travailler dans un centre social. Et c'est loin d'être exhaustif, hein. On a des collègues de vraiment d'horizons très variés. Ce que je veux surtout vous transmettre, c'est qu'en fait, au-delà d'un diplôme, certes, ça peut vous permettre de rentrer dans un centre social, c'est vrai, mais c'est surtout le fait d'être déjà engagé dans la vie sociale, d'être déjà, par exemple, tout ce que vous aurez pu faire en bénévolat, même la petite association étudiante ou la petite association de quartier ou tout simplement dans votre école, les associations qui peuvent parfois exister, le club d'échecs du lycée ou je ne sais quoi, quand vous faites de l'engagement comme ça, quand vous donnez de votre temps et que vous vous engagez dans un projet, c'est de l'expérience que vous capitalisez. Et ce que vous capitalisez surtout, c'est le fait de savoir travailler avec les gens, de savoir écouter des besoins, lancer des nouvelles idées, inventer des projets. Et dans les centres sociaux, c'est vraiment la première qualité qui va être recherchée. Puisque, on l'a vu, le projet social du centre social, il peut évoluer à tout moment. Quand on travaillait avant la crise Covid, il y a plein de choses qu'on ne faisait pas et qu'on fait aujourd'hui. Il y a plein de choses qu'on faisait avant la crise Covid et qu'on fait moins ou plus aujourd'hui. Parce que le monde a changé et les besoins des gens ont bougé. Par exemple, nous, dans le centre social dans lequel j'interviens, il y avait de l'aide, par exemple, sur l'accès aux droits des publics, certes. Mais elle s'est largement étoffée suite à la crise Covid et notamment sur la mise en œuvre de l'aide au numérique, par exemple. Ça, c'est un gros bouleversement qui a vraiment pris une ampleur très forte sur la crise Covid. Ça nous serait tombé dessus de toute façon, hein, c'est pas la question, mais là, il y a eu une accélération vraiment très forte et qui nous a demandé d'être très réactifs et de structurer une action. Et bien ça, dans la vie des centres sociaux, c'est tout le temps. Voilà, on peut imaginer, on peut avoir un secteur petite enfance très développé, ben, du jour au lendemain, le quartier est moins attractif pour les familles et du coup, ben, y a moins d'enfants. Donc il n'est pas utile de maintenir ce type de secteur. Donc il va falloir réadapter notre action sans pour autant licencier des gens, quoi. Tout l'intérêt, c'est de pouvoir faire bouger le projet, d'où l'intérêt d'avoir des formations comme ça assez larges et une pluralité de professionnels dans les centres sociaux qui ont tous des parcours un petit peu particulier. Un EJE, il a vraiment une entrée très particulière, une assistante sociale aussi, et un animateur avec un CPGEPS également. Et c'est la richesse des centres sociaux, c'est vraiment d'avoir ces équipes pluridisciplinaires qui permettent de s'appuyer sur les forces et les spécialités de chacun. Donc, ce que je veux vraiment vous transmettre, c'est que d'abord, ça viendra par votre engagement. C'est-à-dire que si vous souhaitez travailler dans ce type d'organisation, des associations et les centres sociaux, il faut commencer dès maintenant, en fait, à vous intéresser et à aller voir ce qui se passe à côté de chez vous, à rencontrer des associations et à donner de votre temps et à vous investir dans ce type d'organisation. Ce n'est pas avec un diplôme que vous rentrerez, c'est avec une expérience, associée d'un diplôme, évidemment. Dans la vidéo, il y a une petite nuance à apporter, c'est qu'il vous parle de concours d'entrée. Je crois, vos enseignants vous le confirmeront, qu'aujourd'hui, il n'y a plus du tout de concours. On est sur tout par la plateforme post-bac, que je pense vous êtes nombreux à connaître. Donc effectivement, bah oui, un bon dossier scolaire accompagné d'une lettre de motivation et de preuves d'engagement, notamment le BAFA, je crois que ça peut aider largement à rentrer dans ce type de formation. Voilà, donc ça, c'est les grandes généralités sur les centres sociaux. Ce que je voulais vous donner un petit peu comme élément aussi, c'est ce que peuvent faire les centres sociaux en direction des jeunes. Parce que vous êtes jeunes, là, a priori, ceux qui nous écoutent, vous êtes tous dans un cursus de formation. Donc, vous allez trouver dans les centres sociaux à côté de chez vous un accompagnement, par exemple, autour de la scolarité. Nous, au centre social dans lequel je travaille, on a un service qui est développé de 6 ans à, enfin, post-bac d'ailleurs. On accompagne encore des étudiants parce que je travaille dans un établissement qui est implanté dans un territoire un peu en difficulté avec des gens qui peuvent, par exemple, vivre dans des logements un peu exigus. Et du coup, les enfants, les jeunes viennent faire leurs devoirs, faire leur travail scolaire au centre social de manière régulière, parce que peut-être ils partagent leur chambre ou ils n'ont pas, en tout cas, les équipements qui leur permettent de le faire de manière sereine à la maison. Donc, ils vont trouver un endroit
pour travailler. Ils vont trouver des bénévoles et des salariés qui vont les accompagner dans leur savoir, dans l'apprentissage scolaire. Et puis, ils vont trouver des propositions complémentaires. On va au théâtre, on va au concert, on fait des choses avec ces jeunes-là pour leur permettre un peu d'ouvrir aussi au niveau culturel. Et c'est des choses qu'ils n'auraient pas forcément eu les moyens ou l'occasion de faire si nous, on ne l'avait pas organisé, en fait. C'est tout bête, mais ce n'est pas si simple que ça d'aller au théâtre quand on n'a pas l'habitude et que nos parents n'ont pas forcément le temps ou les moyens de le faire. On accueille également les jeunes dans les accueils de loisirs. Donc ça, vous avez peut-être entendu parler de ça quand vous étiez plus petit ou peut-être que vous les fréquentez encore. En tout cas, il existe ce qu'on appelle les accueils jeunes dans les centres sociaux qui sont ouverts à partir de 14-15 ans et qui peuvent accueillir des jeunes au-delà de la majorité. Il y a des projets aujourd'hui plutôt 16-22 ans qui se développent dans les centres sociaux. Et en fait, on ne part pas sur de l'activité, on ne construit pas un programme d'activité comme on le fait pour des plus petits. On va vraiment partir du projet des jeunes et ils vont faire des chantiers éducatifs, récolter des fonds, s'engager vraiment dans leur projet pour pouvoir faire un voyage, par exemple. Donc ça, c'est des choses qu'on conduit assez souvent. Il y a même des dispositifs de financement que l'animateur professionnel sait aller chercher et qui ne sont accessibles que si le projet vient des jeunes eux-mêmes. Donc déjà, une des premières portes d'entrée pour pouvoir vous engager et du coup connaître ce type de fonctionnement-là et accéder ensuite plus facilement à de l'emploi dans ces métiers-là, c'est aussi de vous rapprocher des accueils jeunes, des structures qui vous entourent, et puis peut-être de développer des projets. Ça peut être des projets de voyage, des projets de solidarité, tout type de projet. Donc n'hésitez surtout pas à franchir la porte. Pour les plus timides ou ceux qui habiteraient dans des zones où ils ne sauraient pas s'il y a un centre social à proximité, il y a encore une autre entrée, c'est Promeneurs du Net. Donc ça, c'est vous tapez sur Internet, vous allez vous taper Promeneurs du Net et vous êtes tout de suite réorienté vers une plateforme qui vous donne de l'information sur ces professionnels qui sont tous des professionnels de la jeunesse et qui, en complément de leurs actions en direct avec les jeunes, ils ont une action aussi dans les réseaux sociaux. Donc, bien sûr, maintenant, Facebook, je crois que c'est un peu dépassé, mais vous les connaissez bien, ces réseaux-là, et mes collègues Promeneurs du Net les connaissent aussi. Voilà, vous pouvez rentrer en contact avec un professionnel de la jeunesse, poser une question, qu'elle soit très grave ou très simple, des questions par rapport à votre orientation, à un projet que vous auriez, et lui, son boulot, c'est de vous conseiller, de vous réorienter. Voilà, donc c'est aussi une autre façon de rentrer en contact avec les centres sociaux. Donc, pour amorcer un petit peu la fin de cet échange, j'avais envie de vous proposer une dernière petite animation klaxoon. En un mot, pourquoi vous iriez demain dans un centre social, du coup ? Qu'est-ce que vous iriez y chercher ? Là, vous avez plein d'idées. De l'argent, pourquoi pas? Oui, on va chercher du boulot, pourquoi pas? Je vais vous les donner les mots. Il y a aide, soutien, bien sûr, orientation, activité, accompagnement, service, compagnie, de l'aide toujours. Créativité, c'était donné tout à l'heure dans les mots, des services. Donc oui, c'est bien ça. 50 idées. Oui, pas mal. Donc, orientation, soutien, aide, animation, activité, accompagnement. Il y avait plein d'autres mots qui apparaissent pas forcément dans la conclusion, là. Mais voilà, effectivement, on va trouver de l'aide et du soutien pour développer des projets ou pour récupérer, obtenir des droits, par exemple, j'évoquais tout à l'heure, de l'aide, du soutien pour apprendre le français, pour remplir son dossier de retraite, pour garder ses enfants parce qu'on souhaite reprendre une activité, des choses comme ça, de l'accompagnement. Il y a aussi dans les centres sociaux, souvent, et c'est le cas dans celui dans lequel je travaille, beaucoup, beaucoup d'activités de loisirs. Donc, qui peuvent être du sport, de la peinture, plein de choses, et qui peuvent être à des prix bien plus bas que ce qu'on va trouver en école.
Hein. Donc ça dépend vraiment des centres sociaux et de leur fonctionnement. Mais en tout cas, c'est pas une école de musique, quoi. Quand vous prenez des cours de musique dans un centre social, ce n'est pas la même chose. Donc c'est vrai que si vous voulez vraiment devenir un grand musicien, ce n'est pas forcément le mieux. Le conservatoire est très bien. Mais par contre, pour une initiation à des prix défiant toute concurrence, ça peut être une bonne piste. Pareil pour la peinture. On n'a pas tous envie de devenir un grand professionnel. On peut aussi simplement avoir envie de s'amuser. Et ce, à tous les âges. Donc les centres sociaux sont très bien pourvus aussi en activité de loisirs. Donc voilà, vous iriez chercher, j'ai vu passer aussi, il est écrit là le mot orientation. Ça c'est souvent, les jeunes, vous évoquez bien cette question, c'est une question qui est évidemment très, très actuelle pour vous, l'orientation scolaire, et puis on le sait, c'est la question de l'orientation professionnelle, c'est tout au long de la vie, hein, parce que les parcours professionnels aujourd'hui sont rarement linéaires et simples. On se pose ces questions-là tout au long de la vie, et effectivement, on va essayer d'accompagner les gens du mieux qu'on pourra, mais surtout, notre boulot sur ces questions-là, c'est de les réorienter. Hein, quand on a des parents qui viennent nous questionner sur l'orientation pour leur jeunes, nous, on n'est pas professeurs ou conseillers d'orientation, donc on va réorienter vers l'école, mais par contre, on va intervenir en soutien, par exemple, de l'école. Nous, on a développé une action tout simplement pour rentrer dans la plateforme post-bac. C'est tout bête, mais ça demande quand même de la technicité et ça demande de bien le préparer. Le moment où vous allez rentrer, vous êtes peut-être en plein dedans, d'ailleurs, je crois que c'est la période. Ça demande quand même d'être un peu prêt à écrire. On vous demande des courriers de motivation, enfin des choses un peu complexes. Nous, on va le travailler avec les jeunes et puis aussi avec leur famille, parce que quand vous faites des vœux d'orientation, il y a à prendre compte aussi, pas que vos notes, il y a aussi la réalité. Hein, si vous habitez une zone rurale et que vous voulez accéder à une formation qui n'est pas à proximité de chez vous, il va falloir réfléchir à ce qu'il va falloir construire autour. Est-ce qu'il y a besoin d'un logement? Est-ce qu'il y a besoin de trouver du travail, du coup, pour pouvoir se payer ce logement? Toutes ces choses-là, ça, on les travaille avec les familles et on va les orienter vers les services sociaux spécialisés s'il y a besoin, vers l'éducation nationale s'il y a besoin. Et s'ils sont à peu près au clair, mais que la seule aide dont ils ont besoin, c'est l'outil technique, on est là pour ça. Voilà, donc par exemple, là, typiquement, on développe des projets de soutien à l'orientation des élèves. Donc, on répond pas trop mal à vos besoins, j'ai l'impression. Vous avez vu que les centres sociaux, c'est du coup très varié. Et la dernière notion que j'aimerais que vous entendiez, et peut-être qu'on a même le temps d'aller jusqu'au bout du bout pour la première fois, Paulina. Mm-hmm. Mais on laissera aussi un peu de place à vos échanges, donc ça dépend. C'est que, en fait, les centres sociaux, comme vous l'avez compris, ils partent des gens. Donc, nous, on est des salariés, c'est vrai, mais on ne fait rien sans les habitants. Tout ce qu'on développe dans le centre social dans lequel je travaille, on développe, on développe peut-être une quarantaine d'activités différentes. Il y en a certaines qui sont portées par nous, les salariés, mais toujours avec des bénévoles. On ne fait rien tout seul. Et il y en a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup qui sont portées par des associations qu'on accueille ou des bénévoles qui les font tout seuls en direct. Le club de tricot, il est animé par une bénévole. Le club de cartes, c'est une association, vous voyez. Donc, tout ça, c'est les gens, en fait. C'est des habitants. Et du coup, ce qu'ils font, ça vient d'eux. C'est eux les meilleurs spécialistes pour dire ce dont ils ont besoin. Donc, cette notion-là, le fait de partir des gens et de se servir de leurs compétences et de l'accompagner, cette compétence, pour pouvoir développer une action, ça, ça rentre en référence avec le grand champ de l'éducation populaire. Donc, ce mot barbare que vous avez peut-être entendu, en France, il y a l'éducation nationale, où vous avez des apprentissages qui vous sont donnés dès tout petit et jusqu'à temps que vous voudrez y rester, c'est parfait. Et puis, il y a ce qu'on appelle l'éducation populaire. Par exemple, l'école ne vous apprend pas à faire la cuisine. Enfin, pas dans toutes les formations, pardon, certaines formations, oui. Mais de base, ce n'est pas l'école qui va vous donner cette formation-là. Cette formation-là, vous allez la trouver dans votre famille. Vous allez la trouver en sympathisant avec votre voisine de palier qui va vous apprendre à cuisiner des plats typiques de sa région. Par exemple, ça, c'est de l'éducation populaire. Et l'éducation populaire, quelque part, elle est aussi importante que l'éducation nationale parce que c'est peut-être en ayant cuisiné avec votre voisine de palier que vous allez avoir envie de devenir un jour cuisinier professionnel et d'ouvrir votre propre restaurant et que vous deviendrez Paul Bocuse étoilé au Michelin. Donc, le champ d'éducation populaire vient bien
en complément de ce que peut faire l'éducation nationale, vient le soutenir et vient l'accompagner et vient en fait vous permettre de gagner en autonomie, permettre à tous de gagner en autonomie dans le jargon de l'éducation populaire, on appelle ça l'émancipation et le pouvoir d'agir. Donc l'EducPop, c'est une valeur extrêmement importante des centres sociaux. Et du coup, pour ça, on peut, Paulina, lancer la petite vidéo si on a le temps. On peut. Génial. Et après, je vous écoute dans le fil de discussion sur les questions que vous auriez encore à me poser. L'éducation populaire, c'est pour tous. C'est l'entraide. La coopération. Bienveillance. Le vivre ensemble. Vivre ensemble, faire ensemble et apprendre à faire des choses simples. Le partage. Partage. C'est l'émancipation. C'est génial. Ah, je la voulais pas cette question. C'est le complément de l'éducation parentale et l'éducation scolaire au sens large. Alors l'éducation populaire, c'est véhiculer des valeurs comme la bienveillance et la coopération à travers notre métier d'animation qui est plus une passion qu'un métier. Il n'y a pas de définition, je dirais, claire et précise de l'éducation populaire. Chacun a sa définition. Mais pour moi, c'est vraiment appartenir à un mouvement. Et les jeunes n'en ont pas forcément conscience quand ils arrivent sur un stage BAFA, qu'on leur dit, quand on leur parle d'éducation populaire, on leur dit, vous allez faire partie du mouvement de l'éducation populaire. Ils ne savent pas vraiment ce que c'est. Ils vont peut-être aller voir sur Internet, mais on ne trouve pas de définition. Et pour moi, c'est vraiment cette notion d'engagement et l'éducation pour tous et par tous, surtout. Pour moi, l'éducation populaire, c'est de l'échange. Et qui n'est pas descendant, c'est-à-dire que quelqu'un sait quelque chose et le transmet aux autres, mais qui est aussi dans la coopération et dans l'échange d'expérience, dans l'analyse de l'expérience et dans le fait que on est tous ensemble pour faire quelque chose ensemble. Pour faire simple, moi je dis que c'est l'éducation du peuple par le peuple. Partir du principe qu'un animateur et un enfant peuvent apprendre l'un de l'autre. On a tous des choses à s'apprendre, à s'échanger, que ce soit les enfants ou les adultes. Pour moi, on est tous au même niveau. Moi, je sais rien de plus qu'un enfant et un enfant, il sait rien de plus que moi. C'est tous plein de choses et donc c'est juste de la réciprocité et de l'échange. L'éducation populaire au sein d'un centre socio-culturel, c'est ouverture sur le monde, mixité et éducation tout au long de la vie. Voilà, ça c'est bien résumé. Donc, je ne sais pas si vous aviez déjà entendu ce terme d'éducation populaire. Et dans le fil de discussion, là, vous pouvez faire passer vos questions à vos enseignants. Je ne sais pas si vous connaissiez déjà, si vous y avez fait des stages, peut-être. Les centres sociaux, c'est vraiment ce mouvement-là. C'est venu structurer ces mouvements d'éducation populaire qui, en fait, existent depuis toujours. On l'a vu dans la première petite vidéo. Les organisations telles les centres sociaux, ça préexiste, en fait. C'est assez récent, l'appellation centre social et puis l'organisation de ce champ-là. C'est assez récent, ça s'est vraiment structuré après-guerre. Avant, c'était des mouvements laïques, avec notamment les amicales laïques, vous en avez peut-être dans vos régions. Certaines sont des centres sociaux, pas toutes. Donc ça, c'est les fédérations des œuvres laïques qui ont vraiment accompagné les mouvements de laïcisation du début du XXe siècle. Et puis, vous aviez à côté des mouvements plutôt de type patronage, les scouts, par exemple. Ça appartient à l'éducation populaire, mais ça a une entrée plutôt catholique. Et puis, vous aviez de l'autre côté les éclaireurs de France, qui est l'équivalent, mais sur une entrée laïque. Et l'État, au travers notamment des organismes de sécurité sociale, et c'est pour ça que j'interviens dans ce cadre-là, est venu structurer les mouvements d'éducation populaire, est venu les labelliser, est venu aussi les contrôler et les soutenir en même temps. Donc l'État, avec la mise en place des mouvements de sécurité sociale, vraiment a participé à cette organisation-là. Et aujourd'hui, tous les centres sociaux sont financés en grande majorité par les CAF, c'est le plus gros des financeurs, et sont labellisés et accompagnés au quotidien par les CAF. Donc moi, en étant salariée de la CAF dans un centre social CAF, je suis CAF, mais à double entrée. J'ai vraiment, mon action, c'est celle de la CAF, comme une association qui aurait le label centre social, elle porte des actions qui découlent des valeurs institutionnelles des CAF et de la sécurité sociale dans leur ensemble, qui elles-mêmes remontent finalement
à l'éducation populaire et à la façon de travailler et de vivre sur un territoire ensemble. Voilà, je vois qu'il n'y a pas eu de questions, donc j'espère que vous avez tout compris et que vous êtes super forts et que vous allez tous immédiatement vous connecter sur le site pour demander une inscription pour le BAFA, pour ceux qui ne l'auraient pas. En tout cas, on vous a mis tous les liens des vidéos dans la conversation. Vous pouvez retrouver également ce document dans le site internet d'Une saison avec la Sécu, dans la présentation de ce webinaire. Et du coup, n'hésitez surtout pas, je compte sur vous. Vous franchissez la porte du premier centre social que vous croisez. Voilà, et vous allez poser des questions. Qu'est-ce que vous faites ici? Qui êtes-vous? Voilà. Merci de votre participation. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir.